Colonia, une coopérative pour un monde en transition. Ok, alors je vais parler de la charte d'Ecologia. Donc la charte, elle rassemble les valeurs qui guident en fait notre action. C'est une partie de notre identité. Et voilà, donc les principes fondamentaux, c'est le principe écologiste, hein, c'est de remettre l'humain, remettre la nature au centre des décisions et de l'activité humaine en fait. Donc sortir de l'aliénation liée au productivisme, à une logique de compétition, etc. Donc dans ces valeurs, donc en fait dans cette identité, la volonté de remettre l'humain au centre des décisions, ça passe par redonner une importance aux individus. Donc on va dans une logique de démocratie directe, enfin démocratie réelle, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises par la base, hein, on est une structure horizontale. Donc il n'y a pas de hiérarchie, si ce n'est des niveaux qui sont l'émanation d'un besoin exprimé par la base. Okay. On a l'ensemble des valeurs écologistes, hein, donc la protection de l'environnement, la réduction de l'empreinte écologique, tout ce qui va vers une société plus conviviale, dans laquelle les ressources sont utilisées de manière sobre. On parle de sobriété heureuse, de sobriété choisie. En même temps, remettre l'humain au centre des décisions, c'est aussi dans une logique d'égalité. Hein, égalité des chances, égalité de traitement, égalité de parole. Hein, le fait que chaque humain a une importance, hein, et sortir de cette logique où chaque humain est évalué, chaque être humain est évalué, et la nature aussi, ils sont évalués en fonction de ce qu'ils peuvent produire dans la sphère marchande. Ajouter par rapport à ces valeurs. Voilà, cette charte par exemple, le meilleur exemple c'est la manière dont on a rédigé cette charte, on l'a rédigée collectivement, à plus de 100 mains, en suivant des principes de consensus et de consentement, c'est-à-dire en incluant l'avis de chaque personne. Donc ce qui permet au final que ce soit l'émanation. À la production de tous les individus. Et ça permet aussi que tous les individus s'inscrivent et adhèrent à ces valeurs. Donc c'est ça qui est intéressant là-dedans, et c'est ça qui est cool au final, c'est que c'est l'identité du collectif. Ecologia, une coopérative pour un monde en transition.